c'est la première édition du festival. Enfin, non pas que je fasse que des premières éditions de festival, mais je trouve que c'est bien de faire un festival aussi là. Alors, ils ont déjà fait des concerts ici, évidemment, de loin en loin. En général, c'est du cas par cas. Je trouve ça bien, quoi. Je trouve ça gonflé. C'est économiquement plus compliqué de faire 3 jours comme ça, d'emmener les gens. Ils sont en vacances. On est dans des périodes aussi où ça peut être plus compliqué. Donc voilà. Quand on m'a dit que c'était ça, que c'était Ajaccio, c'est vrai que je suis allée à Herbalon pas mal. Je me suis dit, c'est pas mal aussi de venir un peu ailleurs en Corse, puisqu'on y va souvent en vacances. Alors, ce que j'aime bien, en fait, il y a des publics qui peuvent être très attentifs au début et où, nous, ça peut être la panique en se disant, ils aiment pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai fait quoi. Et puis, en fait, moi, je pense que tout le monde a le droit et est libre d'avoir son temps. Nous, on a le nôtre, et alors notre temps, si on nous écoute, c'est un temps de marsupilami énervé. C'est-à-dire que dans le premier truc, on est comme ça, à fond, et il faut que tout le monde soit à fond. Non, en fait, je pense que c'est intéressant, comme certains publics aussi en France, pas dans toutes les villes, de laisser les gens libres de venir ou pas, quand ils veulent venir, de se lever ou pas, de ne pas s'inquiéter parce qu'ils ne se lèvent pas. On présente un set aussi qui est un peu électro, un peu rock parfois. Il y a aussi pas mal de gens qui peuvent me connaître autrement parce qu'ils m'ont connu sur The Voice ou qu'ils connaissent des chansons qui sont peut-être plus rassurantes pour eux. Donc c'est normal aussi que ça prenne du temps à ce qu'on s'apprenne en fait. Bonjour, je m'appelle comme ça, je vais vous présenter ça. Vous inquiétez pas, il y aura aussi quand même les chansons d'avant. Et puis en fait, à la fin, on était très très heureux de l'accueil parce qu'ils sont venus.